Alors nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission que nous avons l'habitude de tenir autour de la parole de Dieu pour étudier les commandements du Seigneur dans sa bonne et glorieuse parole. Nous allons continuer aujourd'hui à la leçon numéro 8. Qui est la victoire de l'humilité sur l'orgueil. Et voilà, la victoire de l'humilité sur l'orgueil. Nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu Ministère Restauration, une église de Pentecôte, située à l'avenue Farapos, à Lyon numéro 312. Nous avons notre président, le pasteur Mbeto Chimit Vieira, et nous qui présentons, nous sommes mandatés par le département d'appui aux étrangers qui diffuse au milieu d'un peuple portugais, parlant portugais, en langue française. Moi, je m'occupe de la langue française, d'autres s'occupent de la langue anglaise et de la langue espagnole. Et donc, avant de continuer, d'entamer la leçon, nous voulons remettre ce moment au Seigneur, notre tendre Père et Dieu. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire parce que tu la mérites. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a fait. Et je dis souvent, Seigneur, que tu as les traces de tes mains sont sur notre corps parce que tu nous as formés toi-même. Et dans notre esprit, il y a ta ressemblance. Et dans notre âme, Seigneur, tu nous as donné, tu nous as fait pour que nous devenions une âme vivante. Nous te donnons toute la gloire en ce moment. Et nous prions en mettant cette émission, cette parole, cet enseignement entre tes mains, toi seul, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ces moments. Et nous demandons, Père, nous demandons au nom de Jésus-Christ que tu accompagnes cette diffusion, cette émission de toute ta grâce et de la puissance de ton esprit, et que tout se fasse pour la gloire et l'honneur de Jésus. Merci, notre Père, au nom de Jésus. Donc, nous avons notre titre, la victoire de l'humilité sur l'orgueil. Et notre verset de base est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà ce que nous pouvons lire dans ce verset de base. Nous avons commencé ce livre, ces études, en parlant beaucoup de l'orgueil. Nous avons parlé de différents, de comment l'orgueil est attaché à l'homme et comment Satan nous a transmis son orgueil et comment nous l'avons reçu et comment ça se manifeste et comment tous les hommes sont orgueilleux et l'orgueil est la chose la plus terrible que Dieu réprime. Hein? Parmi les hommes. Et toutes les guerres, tout ce qui est de mauvais a pour racine l'orgueil. Et nous avons dit que l'orgueil est la reine de tous les péchés, la racine de tous les péchés. Et donc, aujourd'hui, nous commençons à voir quelques solutions par rapport à ce grand drame, hein, à ce fléau qui est attaché à l'homme et dont l'homme ne peut pas se débarrasser. Hein. Nous verrons aujourd'hui comment commencer à échafauder, comment commencer à voir, hein, entrevoir la solution à ce grand problème. Et nous avons lu, ce que nous avons lu concerne Jésus lui-même, hein, et la Bible nous dit d'avoir les sentiments de Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. Hein, lui, il s'est humilié et se rendant, obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix est une honte, est une malédiction dans la tradition juive et même romaine un peu. Donc,
Jésus s'est humilié. Il n'a jamais péché, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Il était Dieu. Avant de venir, il était Dieu et il s'est vidé de sa divinité et il a suivi ce chemin. Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup du chemin de l'ennemi, du diable, le chemin de l'homme. Et puis, nous parlerons du chemin de Jésus. L'homme, le diable, a pris un chemin qui l'a éloigné de Dieu. Et l'homme a pris identiquement le même chemin et s'est éloigné de Dieu. Et Jésus, pour rétablir les choses, hein, pour apporter la victoire, pour montrer le chemin de la victoire, de l'humilité sur l'orgueil, Jésus a fait le chemin retour, hein, de la grandeur, de l'égalité qu'il avait avec Dieu. Il s'est humilié, il est devenu un homme, et même pas seulement un homme pendu à la croix, qui est une honte. Aucun homme connaissant la chose n'aurait aimé aller jusqu'à la croix, hein, endurant cette honte. Mais Jésus, pour montrer l'humilité, afin de détruire la puissance du diable, la puissance de l'orgueil, il a fait ce chemin pour nous montrer qu'en lui, c'est possible. Voilà, donc nous allons faire quelques lectures. Hein, il y a deux versets que nous allons lire ensemble, deux passages plutôt, ce n'est pas deux versets. Premièrement, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 21 à 22, le verset 25, le verset 27 et 28. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et pas ça, ça dit Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, donc nous avons ce passage qui est devant nous et nous croyons que ça va soutenir tout ce que nous allons dire. Jésus, il est parlé de Jésus, hein, qui est venu et a réglé le problème de la mort et il s'est humilié et Dieu lui a donné le règne. Hein, et devant Jésus, tous les ennemis fléchiront genoux. Hein, il a sous ses pieds tous ses ennemis. Et il mettra tout sous ses pieds. Et puis après, par humilité, il est toujours soumis au Père. Il remettra le royaume au Père. Hein? Nous lisons le deuxième passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Ayez en vous, c'est de là que le verset de base a été tiré. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, hein, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc voilà ce passage de 2 Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. J'aimerais que nous regardons un peu ces deux passages où surtout le dernier, où il y a une chronologie de la descente de Jésus dans l'humilité. Il était comme égal à Dieu et il a paru, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur.
de serviteurs de Dieu. Dans la Bible, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous trouvez la grande partie des endroits où c'est utilisé « mon serviteur » dans l'Ancien Testament, il s'agit de Jésus. Et ici, il dit qu'il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il est devenu serviteur. Lui qui est Dieu, que tout le monde, toute la création sert, il devient un serviteur prenant la forme d'un homme. Pas seulement d'un homme, mais d'un simple homme. Pas un roi, hein? Pas un monarque sur la terre, pas un homme haut placé, mais un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il va apprendre à obéir à Dieu en tout lieu, même qu'il était Dieu, puisqu'il a pris la forme de l'homme et il voulait réconcilier les hommes avec Dieu. Il a agi en exemple. Il s'est rendu obéissant à Dieu jusqu'à la mort, sans broncher, sans défaillir dans son obéissance. Il a obéi en tout selon ce qui est écrit de lui. Et c'est pourquoi dans la Bible, vous verrez que souvent il est répété selon ce qui est écrit. Il a fait ça selon ce qui est écrit. Hein? Et tout a été prescrit. Les comportements dans les détails de Jésus, ce qu'il allait vivre sur la terre, a été écrit. Mais il les a accomplis par obéissance. Il les a accomplis. Il devait mourir et il n'était pas, sa volonté n'était pas de mourir parce que Jésus avait une volonté et le Père avait une volonté. Et il s'est soumis à Dieu. Et même jusqu'à la mort, et pas une mort anodine, mais la mort de la croix, comme nous l'avons dit déjà dans notre un peu plus haut. Et donc, ici, ainsi, ayant fait tout le circuit, tout cette descente au fond, hein, pour jusqu'à la mort, pour prouver son humilité, pour montrer à l'homme que on peut obéir dans une chair, on peut obéir à Dieu. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et nous verrons tous les détails après. Donc, dans l'introduction, nous disons ceci. Notre introduction dit ceci. L'insoumission est entrée dans l'univers à travers l'orgueil. La volonté de Dieu, qui était jusque-là suprême dans tout l'univers, ne fut plus la seule. Quand l'insoumission est entrée dans le monde, la volonté de Dieu ne fut plus la seule. La volonté de Dieu doit s'opposer maintenant aux volontés, à deux volontés, à celle de l'homme et à celle de Satan et ses anges. Le plan de restauration de Dieu par Jésus ne se limite donc pas seulement au salut de l'homme. C'en est seulement un aspect. Hein. Toutefois, le plan final de Dieu est de soumettre totalement tout l'univers à sa volonté afin que la paix et l'harmonie universelle existent à nouveau. Et donc, Dieu avait a un plan. Au commencement, l'univers est conditionné. L'univers était parfaitement sous l'unique volonté de Dieu. Tout ce qui se faisait sur la terre était la volonté de Dieu. Tout ce qui se faisait dans le deuxième ciel, c'est dans la volonté de Dieu, le troisième ciel, dans le royaume de Dieu. L'univers était empreinte de la volonté de Dieu. Il n'y avait pas de contestation. C'était la volonté parfaite de Dieu qui se faisait dans l'univers tout entier. Puis a surgi cette affaire d'insoumission de Lucifer, puis dans l'orgueil, avec sa base dans l'orgueil, puis s'est transmis à l'homme. Et maintenant, la volonté de Dieu n'est pas la seule dans l'univers. Il y a deux autres volontés qui sont apparues, celle de Satan et de ses anges et celle de l'homme. Mais Dieu n'a pas démissionné, Dieu n'a pas abdiqué. Il tient que dans l'univers que lui-même l'a créé, au milieu de toutes ces créatures que lui-même il a faites,
Il veut que sa volonté soit rétablie. Et pour y arriver, c'est Jésus qui non seulement va venir sauver l'homme, mais le salut de l'homme n'est qu'un aspect de la restauration que Dieu veut apporter dans l'univers pour rétablir sa volonté. Le salut de l'homme n'est qu'une partie. Mais le but final de Dieu, c'est que de nouveau, il n'existe plus aucune autre volonté dans l'univers en dehors de la sienne. Et à cela, Jésus va s'atteler afin de rendre parfait le plan de Dieu, et il va l'accomplir sans faille, du début jusqu'à la fin. Il va rester dans ce qui a été écrit à son sujet. Donc, nous avons un passage ici qui, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, voilà ce que le plan de Dieu, c'est de réduire à néant. Il y a les dominations, les autorités, les puissances, tout le royaume des ténèbres et les hommes. Dieu veut que tous sachent qu'il y a un maître absolu, un propriétaire, un monarque, un souverain sur l'univers, et c'est ce souverain qui a créé toutes choses, et il ne doit exister dans l'univers qu'une seule volonté, la sienne. La domination, les autorités, les puissances seront assujetties des forces. Et il n'y aura qu'une seule volonté dans l'univers. C'est ce pourquoi Jésus a été envoyé. Et ici, nous allons voir premièrement la voix de Dieu pour assujettir toutes choses. Quelle voix Dieu va prendre? Sa volonté a premièrement existé dans tout l'univers, absolument. Il n'y avait pas une autre volonté. Puis, arrivé la chute, arrivé le plan de l'ennemi qui, par orgueil, s'est révolté contre Dieu et l'a contaminé l'humanité. Et Dieu, ce n'est pas fini. Il produira de nouveau et il arrivera à faire de nouveau un univers qui sera soumis à toute sa volonté. Il réduira à néant tout ce qui s'oppose à sa volonté. Et dans l'univers, il n'y aura qu'une seule volonté, une seule et celle de Dieu. Et comment Dieu va y arriver? Quelle est la voie de Dieu pour assujettir toutes choses, pour que toutes choses reviennent sous son unique volonté? Quelle est sa voie? Premièrement, nous allons parler d'un cycle. Nous allons parler d'un cycle. La voie de Dieu pour assujettir toutes choses. Nous nous sommes trompés un peu. Donc, nous verrons la voix de Dieu pour assujettir toutes choses, puis un cycle qui avait besoin d'être brisé. Il y avait un cycle que Dieu devait briser. Deux, Jésus-Christ, le restaurateur du chemin de la soumission. Nous, c'est ce que nous verrons dans le premier cycle, un cycle qui avait besoin d'être brisé.
Nous verrons, Adam avait assuré l'autorité sur toute, devrait assurer l'autorité sur toute la terre. Et en deuxième tiret, l'orgueil est la cause de l'incapacité de l'homme à se soumettre à Dieu. Hein? Puisque l'orgueil a produit un cycle qui devrait être brisé. Dieu a pris l'initiative de briser le cycle de l'orgueil. Il a pris l'initiative de briser le cycle de l'orgueil. L'homme a produit l'insoumission de l'orgueil a produit l'insoumission de Lucifer. Et son insoumission a produit la rébellion. Par conséquent, toute personne qui accepte l'orgueil offert par Satan quitte la sphère de Dieu et entre instantanément en orbite dans le champ d'action du diable. Hein? Pour briser ce cycle, Dieu se propose à faire le chemin retour. Et donc, il est donc alors très facile pour le chrétien de sortir du domaine de Dieu par l'orgueil. Il nous est facile de sortir du chemin de Dieu. Dieu déteste l'orgueil tellement que nous ne pouvons pas y toucher sans avoir un problème avec Dieu. Et quand nous touchons à l'orgueil, nous sortons du domaine de Dieu et nous entrons dans le domaine de l'ennemi. Dieu ne peut pas garder l'orgueilleux dans sa sphère. Cela est impossible. De même que Dieu a donné l'ordre à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'en obéissant à cet ordre, il assure son autorité sur toute la terre. Dieu a aussi ordonné à Moïse de faire connaître au peuple que le peuple doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Toutefois, comme Adam, Moïse et le peuple d'Israël n'ont pas pu se soumettre à Dieu parce que la nature humaine était infectée par l'orgueil. La nature humaine était infectée par l'orgueil. Dans Romains chapitre 8, le verset 7, il est écrit là, car l'affection de la chair, l'inclination à la chair, est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. La chair, tout chrétien qui voudra vivre dans la chair ne pourra pas être agréable à Dieu. L'incapacité de l'homme naturel de se soumettre, de se soustraire à l'orgueil, et c'est impossible à l'homme. Nous avons déjà établi que tous les hommes sont contaminés. Et l'orgueil est dans toutes les vies, tous les cœurs. Et la nature humaine en est infectée et dominée. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. La nature humaine ne peut pas se soumettre à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas nous soumettre à lui. Nous aurons ce problème de l'orgueil et nous sommes déjà disqualifiés. Donc, ce cycle de l'orgueil devrait être brisé. Le cycle dans lequel nous sommes entrés depuis Adam, en voulant établir notre propre éthique, en voulant devenir comme Dieu, et cela est dans tous les hommes, est quelque chose que Dieu devrait briser. Et pour le briser, il va utiliser Jésus. Jésus-Christ, le restaurateur du chemin de la soumission. Le chemin retour, par conséquent, ne pouvait pas être fait par un homme. Quand nous nous sommes éloignés par le chemin de l'orgueil et de l'insoumission, nous ne pouvions plus revenir nous-mêmes. L'homme même ne peut plus revenir à Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour parcourir dans la direction inverse tout le chemin que Lucifer et l'homme lui-même avaient parcouru. Chemin où l'homme s'est perdu par orgueil.
cet orgueil qui lui a été injecté par Lucifer. Lucifer et l'homme ont suivi la voie de l'orgueil, de l'insoumission et de la rébellion. Alors que Jésus, la Bible nous présente Jésus comme ayant suivi la voie de l'humilité, de l'obéissance, de la soumission totale et entière en toute chose à Dieu. Jésus a suivi cette voie de la soumission, de l'humilité, hein, soumission totale à Dieu, de l'obéissance à Dieu en toute chose. Regardez Jésus comme la tête de l'humanité, qui montre par son exemple, en voulant restaurer le chemin de retour par lequel les hommes, par soumission à Dieu, par la décision de se soumettre à Dieu, vont revenir pour trouver le Père qui cherche ses enfants égarés loin de lui. Dieu, c'est par amour que Dieu le fait. Dieu n'aime pas voir les créatures perdues. Dieu ne justifie pas le péché, mais il n'aime pas voir ces créatures perdues. Et quand Adam et Ève ont péché pour la première fois dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui est parti les chercher. Eux, ils se sont cachés, ils se sont éloignés, ils se sont cachés. C'est Dieu qui les a cherchés et qui les a fait venir et il les a couverts. Il a fait un sacrifice, a tué un animal. Et il en a pris la peau et il les a couverts. Il a couvert leur nudité, ce qui leur faisait honte. Et c'est comme ça que Dieu, même si il était impossible de retrouver la place première à cause de la désobéissance, Dieu s'est occupé d'eux. Mais ce n'est que partie remise. Dieu reviendra par Jésus-Christ, par la postérité de la femme, afin que l'œuvre de Satan soit écrasée et que l'homme retrouve sa place. Jésus a été l'homme obéissant en toutes choses, soumis, humble, sans pareil, et qui a fait le chemin retour. Hein? C'est lui qui a inauguré le chemin de retour à Dieu. Donc voilà un peu comment nous pouvons présenter le restaurateur du chemin de la soumission en tant que Jésus-Christ. Nous allons voir le numéro, le grand 2, les étapes et caractéristiques du chemin de la chute et du chemin de la restauration. Étapes et caractéristiques du chemin de la chute, étape caractéristique du chemin de la restauration. Pour que la différence entre les deux chemins soit plus claire, nous les présenterons par les tableaux suivants. Nous soulignerons que les références bibliques, nous allons lire les références bibliques qui sont indiquées ici. Donc, vous allez suivre le tableau, hein, rapidement. Nous allons travailler dessus et puis nous progresserons. Le tableau est plus grand, mais les diapos ne peuvent pas prendre beaucoup. J'ai juste pris une partie par diapo. Donc, le parallèle entre Lucifer et Jésus-Christ. Hein, il y a un parallèle que nous allons voir entre Lucifer et Jésus-Christ. Nous disons que ici, hein, Lucifer, dans le processus de la chute, premièrement, il s'est, vous verrez, dans la première colonne, hein, nous allons citer chaque ligne, première colonne et deuxième colonne. Deuxième ligne, première colonne et deuxième colonne, ainsi de suite. Donc, il s'est enorgueilli au sujet de lui-même. Il s'est enorgueilli au sujet de lui-même. Hein? Et nous lisons le passage qui est écrit, c'est Ésaïe 14, 11. Voici ce qu'il a dit, ce qui est dit de lui. Hein?
Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de vers, et les vers sont ta couverture. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Maintenant, Jésus, pour restaurer cette ligne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Il a dit de lui, Philippiens 2, 8, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce passage, nous le trouverons plusieurs fois plus bas, mais il caractérise la nature de l'œuvre ou de la personne de Jésus en tant qu'homme. Il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais Lucifer, c'est tout à fait le contraire. Quand il s'est regardé, dans Ésaïe 14, 11, quand il s'est regardé, l'orgueil a rempli son cœur. Il s'est enorgueilli. Et le contraire de l'humilité de Jésus. Jésus était Dieu, mais il s'est humilié. Lucifer était qu'un ange, mais qu'un chérubin parmi d'autres. Oui, il est un chérubin spécial, mais il n'est pas un plus que chérubin. Il est chérubin. Voilà comment l'orgueil trompe les gens. Il croit qu'il est plus que l'homme. L'homme croira qu'il est plus que l'homme. Chérubin croira qu'il est plus que les autres chérubins. Jésus, en tant que Dieu, il descend. Il descend jusqu'à au niveau de l'homme. Pas seulement pour rester là, au niveau d'un serviteur, d'un homme. Et il s'est vidé lui-même de sa gloire pour mourir à la croix, et puis mourir sur une croix. Voilà. La deuxième ligne, Lucifer était parfait et s'est laissé contaminer par l'iniquité. Nous lisons ici, dans Ézéchiel 28, verset 12 et verset 15. « Fils de l'homme, prononce une contrainte sur le roi de Tyr. » Le roi de Tyr est le type de Lucifer. « Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » L'iniquité a été trouvée chez lui. Il s'est contaminé par l'iniquité. Son cœur a quitté le chemin de la droiture. De l'autre côté, nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus qui, et il est écrit de lui, il est écrit de Jésus dans Romains chapitre 8, le verset 3. Je crois que ce passage, je ne l'ai pas noté, mais je vais le lire dans un autre support, Romains 8, verset 3. Il est écrit, car la chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son fils, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Lucifer s'est regardé parfait et s'est laissé contaminer. Mais malgré le fait, pour Jésus, malgré le fait de revêtir une nature imparfaite, il a vaincu l'iniquité et a condamné le péché dans sa chair. Troisième ligne, il était beau et son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Nous lisons Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Nous lisons ici aussi 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ. Jésus, avec l'éclat de la gloire de Dieu lui-même et l'expression même de sa propre personne, mais même ainsi, il n'a jamais arrêté de glorifier le Père et lui seul. Jésus glorifiait le Père. Il glorifiait le Père continuellement. Si nous pouvons lire Marc 10, 18 et Luc 18, 19. Je lis pour vous Marc 10, 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul, il n'y a de bon que Dieu seul. Il ne s'est pas même pas indiqué comme bon. Il a donné toute la gloire de la bonté à son Père. Nous lisons aussi Luc 18, verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il pouvait dire, moi je suis bon. Jésus pouvait dire, moi je suis bon. Mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il a donné la bonté comme étant l'attribut du Père seul. Parce que il est un homme humble, humble en toutes choses. Nous allons partir plus loin. Le deuxième tableau. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Oui, le deuxième tableau, il y a la deuxième ligne du deuxième tableau. Hein, nous avons déjà parlé de la première ligne. Hein, dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, étant un ange, il a voulu être plus qu'un ange. Et quand nous lisons Ésaïe 14, 13, nous voyons ceci. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il disait ici, Lucifer disait, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai. Les étoiles de Dieu, c'est les anges. Il veut les anges de sa propre catégorie. Il veut aller au-dessus d'eux, par orgueil. Hein? Et Jésus ici, dans Hébreux chapitre, en tant que Dieu, il est volontairement devenu moins qu'un ange. Si nous lisons Hébreux chapitre 2, le verset 7. Tu l'as abaissé. Il parle de Dieu. Dieu l'a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est Jésus qui a été, étant devenu homme, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais ça, c'est après. Quand Jésus était un homme, il était moins qu'un ange. Moins qu'un ange. C'est ce que Dieu a dit par Hébreux chapitre 2, le verset 7. La troisième ligne, c'est que dit. Il était un chérubin, Lucifer était un chérubin, mais il a voulu être plus qu'un chérubin, et ce qui veut dire qu'il voulait être semblable au Très-Haut. Nous avons lu le verset 13 déjà, le verset 14 maintenant, il dit dans son cœur, je monterai
sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Il veut être semblable à Dieu. Cet orgueil-là est terrible. Il voulait être semblable à Dieu, même chose que Dieu, même niveau que Dieu, qu'il a créé. Donc, mais Jésus était Dieu, il était Dieu, mais il a voulu être un homme. Il a voulu descendre de sa divinité pour devenir, de sa position de Dieu pour devenir, prendre la condition d'un homme. Il était Seigneur, mais il a voulu être un serviteur. Alléluia! Voilà ce qui fait la différence. L'un s'éloigne, l'autre s'approche. Il était, Philippiens 2, 7 dit ceci, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Un Dieu devenu homme. Dieu devenu homme. Alléluia. Matthieu 20, 28 dit ceci, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, il parle de lui-même Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà ce que Jésus est venu servir et donner sa vie. Servir, non pas seulement servir et s'arrêter, mais mourir, donner sa vie pour comme une rançon pour plusieurs. Lucifer disait, il disait qu'il voulait établir son trône à côté de celui de Dieu. Hein, il voulait établir son trône à côté de celui de Dieu. Nous avons déjà lu ce verset, ce passage. Ce passage du chapitre, Ésaïe chapitre 14, le verset 13. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Mais ici, lui voulait s'élever. Jésus, il a échangé son trône de gloire contre une couronne d'épines. Au lieu d'être glorifié, il souffre des couronnes d'épines et la croix. Hein, et la croix. Hein, nous voyons qu'il fut couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort. Hein, parce qu'il a souffert la mort. Donc, dans Hébreux chapitre 1, le verset 3. Je vais le lire sur un autre support. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et il était le reflet, Jésus était le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Et Jésus soutenait toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, voilà ce que Jésus, lui, il a fait. Il était, il était l'empreinte de la personne de Dieu. Dieu était en lui. Il était le reflet de la gloire de Dieu. Mais tout cela ne l'a pas empêché de descendre, hein, de descendre pour prendre une couronne d'épines. Satan, lui, n'est que une créature à qui on a tout donné. Jésus est le créateur et il a accepté de descendre. Et Lucifer, créature, veut monter. Son cœur est enflé d'orgueil et veut monter pour établir son trône à côté de celui de son créateur. Descendant plus bas, l'orgueil et l'insolence. Nous allons passer, changer de tableau. Voilà. Nous allons changer de tableau. Voilà. C'est bon. Il est devenu violent.
tu dis 7. Oui, exactement. Exactement. Nous allons monter un tout petit peu. Il était revêtu de pierres précieuses, c'est pas ce tableau. Il était revêtu de pierres précieuses. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 13, dit ceci. Ézéchiel 28, 13. Est-ce que me suis trompé? On va lire ça ici. 28, 13. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres, de pierres, de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Voilà ce qui est écrit de lui. Il était couvert de pierres précieuses, mais Jésus, il était emmailloté quand il fut né et il mourut privé de ses vêtements. Jésus est mort privé de ses vêtements. Il a créé, Lucifer a créé sa propre éthique, différente de celle de Dieu. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. J'ai l'impression que quelque chose a bouleversé mon recueil de versets. Genèse 3. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a voulu. Dieu dit, vous allez, si vous mangez, vous mourrez. Mais lui il dit, si vous mangez, vous ne mourrez point. Vous deviendrez comme des dieux. Il a créé sa propre éthique. Mais Jésus, lui, dans le chemin de la restauration, il a obéi à l'éthique de Dieu jusqu'à son dernier souffle, à la parole de Dieu, virgule par virgule, point par point. Il a obéi à la parole de Dieu, à ce qui est écrit de lui. Il a choisi de mourir au lieu de désobéir. Jésus a choisi de mourir au lieu de désobéir. Donc, voilà ce que lui, il a choisi de faire. Il a choisi de mourir au lieu de désobéir. Je crois que mes papiers sont plus loin. Ici, Philippiens 2, Philippiens 2, 8, nous l'avons déjà lu. Philippiens 2, 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Luc 22, 42 dit, Père, Jésus disait, quand il priait, quand il devait aller à la croix, il priait et disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais la tienne. Voilà ce que Jésus disait. Vous tenez à la volonté de Dieu. Mais le Lucifer ne voulait pas rester dans la volonté de Dieu. Il dit à l'homme que si vous mangez, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Il pousse l'homme à désobéir à Dieu. Et Jésus fait tout. Est prêt à souffrir, à mourir pour obéir à Dieu. Il ne veut jamais désobéir à Dieu. Voilà le chemin qui rapproche de Dieu. Il est devenu violent. Dans Ézéchiel chapitre 28, 17, il est devenu violent. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse et ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Lucifer est devenu violent dans sa nature. Jésus dira lui-même qu'il est humble et doux
de cœur. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Et comme une brebis muette devant, qui n'a point ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Hein? Et là, c'est écrit dans Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans Matthieu 27, 13, 14, il est écrit ceci. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, et ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il ne dit rien. Humble, doux, muet, hein, quand il faut être muet. Et ici, Lucifer n'était pas content de demeurer au jardin d'Éden, dans le sens du plaisir. Dans le jardin d'Éden de Dieu, il a voulu s'asseoir sur la sainte montagne de Dieu. Dieu lui avait donné une place, hein, à Lucifer dans le jardin d'Éden, pour que son rôle était là. Mais il ne voulait pas rester dans le jardin d'Éden. Dans le Ézéchiel 28, 13, il a dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu t'es couvert de toute espèce de pierre. Nous avons déjà cité. Et Ésaïe 14, 13 dit, tu disais en ton cœur, je monterai, je m'élèverai, ou j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Il n'était pas content d'être à la place où Dieu l'a mis. Il a voulu une autre place. Voilà, c'est les choses que l'orgueil nous donne. Quand on veut quitter notre place, on convoite d'autres choses que ce que nous avons. Ce que Dieu nous a donné. On veut être plus, on peut être vu, on veut être là où on veut, là où notre orgueil nous a désignés. Jésus, hein, a quitté l'Éden de Dieu pour monter sur la montagne de Golgotha. Il est descendu de la gloire de Dieu pour aller à Golgotha, pour mourir. L'autre veut quitter une petite place, une place que Dieu lui a donnée, pour aller à une place, à un lieu plus élevé que Dieu ne lui a pas donné. Jésus était à la place la plus élevée de l'univers. Mais il a quitté cette place par humilité, pas pour obéir à la volonté de son Père. Et il est descendu jusqu'à Golgotha pour être crucifié, portant une croix, pour être humilié, abandonné, mourir comme un homme maudit sur la croix de Golgotha. C'est lui qui a fait le chemin retour. Il fut, Satan, Lucifer fut humilié devant tous. Dans tout son trajet, tout ce qu'il a voulu, contre la volonté de Dieu, poussé par son orgueil, à la fin, quand nous lisons, il a été humilié devant tous. Ézéchiel chapitre 28, 17. Nous lisons. Voilà, il y a un autre papier que je vais sortir. Voilà. Il est écrit ici. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Dieu dit, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Hein? Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres, hein, sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. Voilà ce que Dieu, la conclusion de
l'orgueil de Lucifer, la conclusion qui lui a été imposée. Dieu regarde, il regarde tous les hommes, il regarde nos voix, il connaît nos cœurs. Et il connaît nos voix. Chrétiens, hommes intelligents, ce qui a créé le problème entre l'homme, Dieu et sa création, c'est l'orgueil. S'il ne l'a pas autorisé au milieu des créatures supérieures, il ne l'autorisera pas au milieu des hommes. Le problème est le même. Et Dieu nous appelle par le chemin que Jésus a inauguré en toute obéissance. Il a été à cela, il a été souverainement élevé et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou est obligé de fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue, qu'il soit langue de converti ou d'inconverti, toute langue déclarera dans les jours que Dieu fait déjà arriver que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Dieu l'a souverainement élevé, hein, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà le circuit, comment on peut descendre. Voilà, Dieu montre le chemin de la descente. Je dirais, c'est la descente aux enfers par l'orgueil. L'orgueil nous abaisse. L'orgueil abaisse l'homme. L'orgueil fait descendre l'homme dans le séjour des morts. Mais Dieu a montré un chemin meilleur, un chemin retour. Si nous sommes dans l'orgueil, nous pouvons remonter. Nous pouvons suivre l'exemple de Jésus. Nous pouvons nous apprendre de Jésus à s'humilier, l'humilité, et à obéir à Dieu. En le faisant, il a inauguré le chemin. Il a donné la capacité aux hommes de pouvoir s'humilier, de pouvoir briser le cycle de l'orgueil, de pouvoir briser la puissance de cette œuvre satanique qui a pris tous les hommes dans leur nature. Dieu montre par Jésus que cette puissance peut être brisée. Et Jésus l'a brisée. Et il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions faire le chemin retour. Donc, mes bien-aimés, je crois que nous avons un exemple à suivre. Cet exemple, nous devons la suivre. Dieu nous appelle à nous humilier parce que l'humilité est la seule possibilité pour nous de revenir à Dieu. L'humilité est la seule possibilité pour nous de faire la volonté de Dieu, d'échapper au jugement de Dieu. Ce jugement qui est tombé sur Satan, il a été livré, hein, devenu quelque chose, la risée de tous. La risée de tous. Puisse le Seigneur nous aider à savoir trouver ce chemin de retour. Et ce ne sera pas quelque chose qui va se passer en un seul jour, mais quand nous trouvons, Dieu nous montre le chemin du retour, le chemin de l'obéissance. Si tous ceux qui veulent suivre ce chemin se donnent à Dieu, Dieu va les aider. Jésus a promis de l'aide pour que nous soyons aidés. Son esprit nous viendra en aide et nous pouvons faire ce chemin retour en reconnaissant ce que nous sommes et en sachant comment ne pas mettre quelque chose dessus, comment ne pas désirer quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. À savoir nous contenter de ce que nous avons reçu de Dieu. Et Dieu sera honoré. Son esprit travaillera avec nous et nous serons plus que vainqueurs. Maintenant, il y a le deuxième tableau. Le deuxième tableau montre
le parallèle entre Jésus-Christ et Adam et Ève, entre l'être humain et Jésus. Et donc, c'est ce parallèle que nous allons faire maintenant. Nous avons deux tableaux et nous allons commencer à voir ça. Je vais demander à la sœur Valkyria de passer le tableau. Voilà. Ici, nous voyons l'être humain après la chute et Jésus-Christ qui va à, qui nous conduit à la restauration. L'être humain, Adam et Ève, acceptaient l'idée d'une éthique, hein, d'une éthique du serpent. Le serpent leur a dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Hein? Genèse 4, Genèse 3, 4. Maintenant, l'homme a acheté, hein, l'être humain a acheté cette éthique-là. Il veut devenir comme Dieu. C'est là que la chute a commencé. Et il est dit dans Jean 14, verset 30, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Satan a pu introduire son éthique dans Adam et Ève, ou Ève et Adam, mais Jésus dit, Satan n'a rien à moi. En deuxième ligne, Ève est enflée d'orgueil. Genèse 3, chapitre 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Voilà ce qui est écrit. Quand il a regardé, ce fruit, ce n'est pas la première fois qu'elle voit ce fruit. Mais maintenant, elle la voit d'une autre manière parce que l'orgueil est rentré dans sa vie. Mais Jésus, comme nous l'avons vu dans Philippiens chapitre 2, le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. En acceptant le principe, nous venons à la ligne 3. Hein? En acceptant le principe de l'orgueil, Ève a voulu être comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu, a dit Lucifer. Et ils ont cru, Ève a cru. Et elle a agi en conséquence. Mais Jésus, lui, s'humiliant lui-même, bien qu'étant Dieu, il a accepté de prendre la forme de l'homme. Ève veut être comme Dieu. Celui qui était Dieu veut être comme l'homme. C'est magnifique de la part du Seigneur Jésus. Mais c'est scandaleux de la part d'Ève. Elle a voulu être comme Dieu. Et Jésus a pris la forme, a accepté de prendre la forme de l'homme. Elle a désobéi, nous avons en dernière ligne de notre tableau. Elle a désobéi au seul commandement qu'elle avait reçu de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs commandements. Mais Ève avait qu'un seul, ne pas manger le fruit. Et voilà ce qui est devenu. Bien qu'étant Dieu, Jésus, bien qu'étant Dieu, il s'est fait serviteur et a obéi en toutes choses. Et a obéi en toutes choses. Jean chapitre 4, verset 34. Je vais le lire.
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Nous avons le tableau tout à fait. Voilà. Nous avons cette partie du tableau. Adam a désobéi parce qu'il a été tenté par Ève. Il a allégué être tombé dans la tentation à cause d'Ève que Dieu lui avait donnée, essayant d'accuser Dieu lui-même. Hein? Mais Jésus, lui, avant d'être tenté par le diable, Jésus fut tenté par Jean-Baptiste, le plus grand homme né de femme, qui fut aussi comme Ève. Hein? Avait été donné par Dieu. Jean avait été... Adam a allégué que Ève lui avait été donnée par Dieu. Et ici, Jean-Baptiste était le plus grand de tous les hommes, comme Jésus l'avait qualifié dans Matthieu 11, 11. De tous ceux qui sont nés d'hommes, de femmes, il n'a point paru de semblable à Jean-Baptiste. C'est ce que Jésus a dit de lui. Hein? Mais quand Jésus est allé pour se faire baptiser, hein, Jean-Baptiste, par humilité, tenta de convaincre Jésus de ne pouvoir le baptiser. C'est moi au contraire qui ai besoin d'être baptisé par toi, a-t-il dit. Selon la logique humaine, Jean-Baptiste avait raison. Il aurait dû être baptisé par Jésus, car Jésus était plus grand que lui. Cependant, Jésus ne regardait pas selon la logique et l'éthique humaine. Il était intéressé par une seule chose, la justice de Dieu, que la justice de Dieu s'accomplisse, comme il a dit dans Matthieu 3, le verset 15. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, voici, les cieux s'ouvrirent et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3. Je lis ailleurs. Matthieu 3, le verset 15. Verset 16. C'est bien ce que j'ai déjà lu. Hein? Au contraire, je reprends ce qui a été dit. L'obéissance de Ève était conditionnée à des circonstances. Ève a désobéi parce qu'elle a pensé que le serpent avait raison. Et nous le lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hein? Ce qui devait être lu, et c'est ce qui est sur le tableau, l'obéissance de Jésus était inconditionnelle. Ni la faim, ni les autres nécessités ne pouvaient justifier une quelconque entorse à ce que le Père lui avait dit. Alléluia. Même que le diable ait utilisé la parole de Dieu, Jésus est demeuré ferme dans ce que le Père avait dit. Quand Satan, par exemple, lui dit, comme tu as déjà faim, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Hein? Jésus avait déjà confiant dans ce que le Père lui avait dit 40 jours plus tôt.
Jésus s'est déjà confié dans ce que le Père lui avait dit 40 jours plus tôt. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il savait qu'il était le fils de Dieu et il voulait obéir à Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Oui, attends. Adam a désobéi parce qu'il a été tenté par Ève. Mais Jésus aussi a été tenté. Adam a allégué d'être tombé dans la tentation à cause d'Ève que Dieu lui avait donnée. Hein? Avant d'être tenté par le diable, Jésus fut tenté par Jean-Baptiste aussi. Ève ne peut pas réussir à se donner, ou bien Adam ne peut pas réussir à donner, à se faire dédouaner, entre guillemets, par le fait que c'était Dieu qui lui avait donné Ève. Jean-Baptiste était quelqu'un qui avait été envoyé par Dieu lui aussi. Hein? Il était l'homme le plus grand parmi tous les hommes qui sont nés de femmes. Hein? Et lui aussi avait été donné par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Comme Ève a été donnée à Adam. Donc Adam n'a pas de justification. Jean-Baptiste, par l'humilité, tenta de convaincre Jésus de ne pas le baptiser. Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Il a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Hein? Selon la logique humaine, Jean avait raison. Il aurait dû être baptisé par Jésus, car Jésus était le plus grand que lui. Cependant, Jésus ne regardait pas les choses comme Jean. Jean regardait selon l'éthique humaine, mais Jésus regardait les choses comme Dieu voulait qu'il les regarde. Il était intéressé par une seule chose, que la justice de Dieu s'accomplisse. C'est ce qui était sa préoccupation. Voilà, nous avons la dernière partie du tableau. Et on va finir. À cause de l'orgueil d'Ève et de la désobéissance du premier Adam, l'humanité tout entière fut compromise. L'humanité tout entière fut compromise. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 22 à 40. Vingt-deux, quarante-cinq. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adam est devenu premier Adam, premier homme, qui est Adam, l'Adam que nous connaissons, est devenu une âme vivante. C'est ce que la Bible dit de lui. Mais le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire, si tu as contact avec cet esprit, l'esprit de Jésus, du dernier Adam, hein, sa vie va entrer en toi et tu deviendras vivant. De mort que tu étais, tu deviendras vivant. Et donc, c'est comme ça que Dieu a mis les choses. Maintenant, à cause de l'humilité et de l'acte d'obéissance de Jésus, le chemin du salut fut ouvert à toute l'humanité. Hein? À toute l'humanité, le chemin du salut fut ouvert. Jésus communique la vie. Quand on a contact avec lui, quand on s'humilie, quand on se donne à Dieu, on accepte l'éthique de Dieu et qu'on se tourne vers Dieu. On rencontre Jésus et on reçoit l'esprit de vie. Et maintenant, on peut vivre. Or, à cause de l'orgueil, hein, et de la désobéissance, l'humanité tout entière a été plongée dans la mort. Mais
Jésus qui a l'humilité et avec l'humilité et l'obéissance, il a conduit de l'humanité au salut. Hein? Il a conduit beaucoup. Toute l'humanité peut être sauvée si tous les hommes le désirent. Mais pour ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Est-il écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12. En tentant de devenir semblable à Dieu, Ève a attiré la malédiction sur elle-même et ses filles. Hein? Car Ève a attiré la malédiction sur elle-même et ses filles. Genèse 3, 16. Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » C'est la désobéissance qui a mené ça. Maintenant, avec Jésus-Christ, en acceptant de prendre la forme humaine, bien qu'il soit Dieu, Jésus est le canal de bénédiction pour tous ceux qui croient en lui. Canal de bénédiction pour tous ceux qui croient en lui. Ève, canal de malédiction pour toutes celles qui sont nées d'elle. Maintenant, Jésus, en acceptant de prendre la forme humaine, il est devenu le canal de bénédiction pour tous ceux qui croient en lui. Maintenant, dernière ligne, l'orgueil d'Ève a fait d'elle l'esclave de Satan. L'humilité de Jésus a fait de lui le Seigneur de toutes choses. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, nous avons fait le tour du tableau, de ces deux tableaux, et nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que ici Dieu nous montre le chemin. Tant avec Satan, dans toute sa recherche, depuis les hauteurs, il veut monter et il est tombé. Quelqu'un a dit, aussi haut qu'on veuille atteindre, terrible sera notre chute. Celui qui s'est élevé un peu, quand il tombe, il n'est pas loin de la terre. Et sa douleur, il y aura une douleur, mais ce sera moins. Mais quand on s'élève plus haut on se lève, plus grande, fracassante sera notre chute et écrasante elle sera. Et donc, nous croyons que Dieu nous a parlé et continuera à nous parler sur l'orgueil, sur l'humilité. La seule solution pour l'orgueil, c'est l'humilité. Le seul chemin de retour à Dieu, de retour dans les faveurs de Dieu, dans les dispositions, dans l'amour de Dieu, se trouve dans l'humilité. Jésus l'a montré. Personne n'entrera au ciel par l'orgueil, mais tous peuvent y entrer s'ils acceptent Jésus comme Seigneur, s'ils se laissent conduire par lui. Il leur montrera le chemin de l'humilité. La Bible leur servira de guide. Le Saint-Esprit les éclairera et ils marcheront dans l'humilité comme celui qui a inauguré le chemin de l'humilité et ils parviendront dans le royaume. Nous sommes du royaume. Tous les hommes peuvent entrer dans le royaume. Jésus a inauguré. C'est vrai que tous ont été amenés à sortir, conduits à sortir du royaume de Dieu, conduits à sortir de la présence de Dieu à cause de l'orgueil. Parce que Dieu n'admet pas, n'accepte pas l'orgueil dans sa présence. Mais tous sont conviés. Tous peuvent revenir dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la propriété de Dieu, redevenir enfant de Dieu par l'humilité. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde,
Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour te chercher. Il est venu pour ouvrir le chemin. Il est venu pour te montrer la voie à suivre pour atteindre Dieu. Et Dieu n'est pas difficile. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et Jésus les a montrés. Si nous nous soumettons et nous acceptons de descendre de notre orgueil, de combattre l'orgueil, de mettre l'orgueil devant Dieu en disant « C'est ce qui m'a éloigné de toi. Maintenant, je n'en veux plus. Enseigne-moi à vivre sans orgueil, à vivre dans l'humilité et dans l'obéissance, Dieu se fera le plus grand plaisir de te donner l'aide dont tu as besoin. » Et pour conclure, Dieu, par l'humilité de Jésus, a détruit l'orgueil du diable et de l'homme. Par l'obéissance de Jésus, il a détruit les effets de l'insoumission du diable et d'Adam en assujettissant ou en soumettant toutes choses à lui. Selon ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 18, et Hébreux 2, 7 à 10. Grâce à son humilité, sa soumission et son obéissance, Jésus a acquis toute l'autorité dans le ciel et sur la terre, hein, comme dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Et Jésus vint et leur parla en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimés, Dieu nous a montré le chemin que nous devons passer pour entrer dans sa maison, pour le chemin retour. C'est vrai que tous les hommes ont péché par l'orgueil. Et nous avons dit que l'orgueil est la racine, l'orgueil est la mère de tous les péchés. Et tout ce que nous commettons en périphérie vient de l'orgueil. Mais ici, Dieu nous montre la clé principale. Comment nous pouvons vaincre, nous pouvons détruire l'orgueil dans notre vie? C'est de venir à Jésus premièrement, parce que c'est en lui que se trouve la force. C'est lui qui a vaincu l'orgueil. C'est lui qui a obéi dans tous les détails, dans les petits détails, comme il est écrit sur lui. C'est lui qui a obéi. C'est lui qui s'est soumis. C'est lui qui s'est humilié comme personne d'autre n'a pu le faire. Et personne d'autre ne pourra le faire. Parce que si Dieu nous demande de nous humilier, c'est que nous ne sommes pas grand-chose. Mais il est plus difficile à quelqu'un qui n'est pas grand-chose de s'humilier, mais plus qu'à quelqu'un qui est la tête de tout. On lui demande de diminuer. Mais nous, quand on nous dit de nous humilier, d'obéir, c'est notre place. Nous ne perdons rien. Nous ne nous vidons de rien. Ce qui était en nous que nous devons faire sortir était illégal à nous. Nous ne devions pas avoir ces choses. L'orgueil ne doit pas trouver la place. C'est à tort que nous avons laissé l'orgueil entrer. Mais nous pouvons nous débarrasser. Jésus nous a montré le chemin. Et nous pouvons revenir à Dieu et totalement nous livrer entre les mains du Seigneur. Parce que nous n'avons rien à perdre. C'est juste prendre notre forme normale devant Dieu, comme Dieu nous a créés. Mais Jésus, lui, au contraire, il était Dieu. Il était Dieu. Mais il acceptait de s'humilier, de descendre. Et pour nous montrer le chemin, et pour nous donner de la puissance pour sortir de cet esclavage, de l'orgueil, et retrouver la place des enfants de Dieu, humbles, obéissants et soumis à la voix de leur maître. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous te bénissons et te remercions. Ce soir, en ce moment, nous avons passé en revue ces quelques mots, ces quelques phrases, ces quelques focaliser notre attention sur ces quelques aspects de ta parole. Père, nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui agit, qui nous a tellement aimés, Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique afin que, croyant en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Il nous montre le chemin de l'obéissance. Il nous montre le chemin de la soumission. Il nous montre le chemin, Seigneur Dieu, de l'humilité, en sorte que, ou afin que nous puissions, Seigneur, renoncer à l'orgueil, à la désobéissance, Seigneur, et revenir à toi, à l'insoumission, et revenir à toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, tous ceux qui te connaissent déjà. Cette lutte est une lutte permanente.
quelquefois, il nous semble que nous sommes dans les mesures de Dieu. Mais quelquefois, le Saint-Esprit nous fait voir comment nous sommes encore dans l'engrenage de l'orgueil. Et nous voulons combattre. Je ne veux pas laisser l'orgueil, Seigneur, dominer ma vie. Ne permets pas que il domine la vie de mon frère. Et aide-nous, Seigneur, à porter nos regards sur Jésus. C'est lui, c'est toi, Seigneur, notre modèle. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je prie, ô Dieu, afin que même ceux qui ne sont pas encore en Jésus, qui sont enflés d'orgueil, qui ont ce problème contre tous les hommes, qui entendent ta voix, aide-les, Seigneur, à reconnaître que la voix de l'orgueil, c'est la voix de l'enfer. Et qu'ils reviennent à toi. Qu'ils s'arrêtent dans cette voie. Et qu'ils prennent la voie du retour que tu as inauguré au travers de Jésus, au travers de son corps. Seigneur, aide. Que par ce chemin, plusieurs puissent revenir à toi pour trouver la vie, Seigneur, pour avoir le pardon et apprendre à marcher avec toi et à se voir comme ils sont, comme ils ont été créés et à dépendre de toi pour avancer. Non pas d'eux-mêmes. Non pas vouloir quelque chose qui est plus grand qu'eux, mais se soumettant, renonçant à l'orgueil et revenant par obéissance, Seigneur, ils découvrent le plan que tu as pour eux. Père, c'est ce que nous te demandons. Je le demande pour moi, je le demande pour tous ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront. Que ta main les conduise. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.